Aujourd'hui, je vais vous présenter ma jolie maisonnette, dans laquelle j'ai emménagé il y a tout juste 6 mois. C'est un petit chalet au bord de la rivière, pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et que j'ai eu la chance de pouvoir occuper grâce à des propriétaires vraiment adorables. Je vis au calme, avec pour voisins des poneys, des oiseaux et des canards. C'est un lieu de tranquillité dans lequel je m'épanouis. La maison fait 50 mètres carrés, mais j'ai aussi une grande véranda de 20 mètres carrés. C'est d'ailleurs par cette pièce que je vais commencer la visite. C'est ma pièce préférée de la maison, car c'est celle qui est le plus connectée à l'extérieur. C'est un super poste d'observation pour admirer les oiseaux qui gambadent dans le jardin. J'y ai installé un petit coin salon, un coin pour dormir tout au fond et mon atelier de peinture. J'ai toujours rêvé d'avoir un espace dédié à la création artistique. La lumière y est parfaite pour peindre et dessiner. Et petit bonus, j'ai vu sur la rivière. La plupart des meubles ont été chinés en brocante ou récupérés dans les rues de Paris quand j'y vivais encore. On y trouve des trésors. Mais c'est aussi de la récup ou du DIY. J'adore faire sécher des plantes. Il y en a d'ailleurs partout dans la maison. J'ai l'impression de figer les saisons et de garder un petit peu de nature avec moi. Ensuite, la maison se compose d'une seule et unique grande pièce, avec le salon, un coin cuisine et ma chambre dans le fond. Un grand meuble fait la séparation. J'aime beaucoup ce grand espace où la lumière rentre bien. De la fenêtre de la cuisine, je vois la rivière et les poneys, et c'est très agréable. En été, j'ouvre tout en grand, les portes de la véranda, ainsi que les portes-fenêtres du salon, pour me sentir encore plus dehors. J'ai beaucoup de vieux objets, comme ces vieilles valises ou des map-monde, que je récupère au fil du temps. C'est un peu une brocante ou un cabinet de curiosité sous certains aspects, avec toutes ces vieilleries dénichées un peu partout. Elle crée une décoration particulière que j'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi installé un espace avec un meuble vestiaire afin de pouvoir me déchausser et poser mes affaires facilement quand je rentre ou quand je pars. J'aime beaucoup cet espace dans l'entrée, mais il n'est pas encore terminé. Passons maintenant à ce que j'appelle la pergola, un espace extérieur avec un toit qui est très très agréable en été, mais aussi très agréable les jours de pluie. J'y ai installé un petit salon en bois, totalement fait de récupération. J'y ai mis des plantes, des tapis, des vieilleries encore. Cela crée une atmosphère que j'adore. J'ai fabriqué une table en bois et un canapé en palette, et je m'y pose pour boire mon café le matin. Je bricole tout un tas de petites choses. Ce n'est pas extrêmement bien fait, mais c'est fonctionnel et cela me suffit amplement.
J'ai aussi fabriqué un porte-vélo avec une palette simplement coupée en deux. J'ai aussi bricolé un meuble pour ranger tout mon matériel de jardinage. Il me dépanne bien. Les soirs de journée ensoleillée, il y a une ambiance que j'aime énormément. La lumière de fin de journée vient se poser dans la maison et cela crée une ambiance très particulière. J'aime beaucoup les ombres qui se dessinent au mur, les reflets dans les vitres, les puits de lumière. J'ai toujours envie de sortir mon appareil photo et de danser avec les ombres. Une ambiance de film qui me captive et qui m'inspire. J'aime énormément décorer mon intérieur et j'y porte un soin particulier. Je déniche tout un tas d'objets, comme vous avez pu le voir. Je fabrique aussi beaucoup de choses, que ce soit des meubles ou de la décoration. C'est un peu un cabinet de curiosité, un espace où je me sens bien, qui m'inspire et me rend heureuse. J'aime énormément cette petite maison, dans laquelle je fais mon nid petit à petit. Je sais que la décoration de cette maison n'est pas du tout figée. Elle va évoluer et beaucoup changer. C'est d'ailleurs pour cela que vous aurez plusieurs versions de ce room tour au fil du temps. Je vous ferai également une présentation du jardin, probablement au printemps prochain car je n'ai pas trop avancé de ce côté. Et j'ai de jolis projets à créer. Il me tarde de tout réaliser. J'espère que cette petite présentation de ma maison vous aura plu. Et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Restez libre et sauvage. Thank you.